Oh là! Je vous retrouve en direct du barbecue car aujourd'hui je vous propose des recettes végétariennes. Oh là, on va rien entendre les gars. Au barbecue, vous me demandez souvent de vous proposer plus d'idées de recettes végé et je me suis dit que j'allais vous donner des idées au barbecue puisque le barbecue c'est pas toujours un moment facile quand on est végétarien, on sait pas trop quoi manger et c'est parfois un peu frustrant comme moment. Je vais vous montrer ça. Du coup, pour les premières brochettes, je vais commencer par celle-ci parce qu'il faut les faire mariner. Et donc, je vais tester de mettre du tofu, des poivrons, des courgettes, des oignons rouges et je vais mariner tout ça. On verra ce que ça donne. J'ai coupé mes légumes en gros morceaux quand même. J'ai essoré, enfin j'ai égoutté et essoré mon tofu au max. Et là, je vais m'improviser une petite marinade. Je vais mettre de la sauce soja sucrée. Je pense que je vais mettre aussi un petit peu de miel, des épices. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais rajouter ça. C'est un mélange d'épices thaï, ils disent. Du coup, c'est du sel, coriandre, piment, citronnelle, cumin. Ça sent très bon. Bon, du coup, j'ai tout mis dans ce tube et j'essaye de répartir la marinade. Ensuite, pour les prochaines brochettes, à mon grand désespoir, il n'y avait plus de halloumi quand j'ai été faire les courses. Du coup, on va tenter de mettre de la feta sur nos brochettes. J'espère que ça ne va pas fondre. Et on va mettre de la patate douce. Attention. Ouh la vache. Ouf, j'ai failli me transpercer la main. Yes. Youhou, première brochette de fête. Et du coup, pour la dernière, je vais mettre de la courgette, tomate. En vrai, on peut se mettre un peu de poivron aussi, comme il m'en reste. Et je rajoute encore ma feta. Et du coup, voilà notre deuxième type de brochette, donc tomate, courgette, feta et j'ai ajouté un petit peu de poivron aussi. Je suis pas hyper convaincue. Enfin, je suis pas sûre sur le coup de la feta en fait. Je sens que la feta va juste finir au fond du barbecue et que nous on va pas du tout en manger, mais c'est un test, hein, écoutez. Et du coup, notre dernière brochette. Ça sent vraiment trop bon. Alors vraiment, cette marinade sent très bon. Sans vouloir me lancer des fleurs, ça a l'air incroyable. Tout simplement. Par contre, j'en fous partout. Le problème, c'est que c'est Brian qui doit allumer le barbecue, donc on n'est pas sortis, les gars. Du coup, on a celle-ci avec la feta et celle-ci avec le tofu mariné. Ma miniature, il y a tout qui est tombé. Bon, et maintenant on passe à un grand classique du barbecue que j'ai connu bien trop tard, le camembert au feu de bois. Du coup, vous prenez juste un camembert, vous retirez le plastique, vous le refoutez dans sa boîte. Après, vous assaisonnez comme vous voulez, vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais juste mettre un petit peu d'huile d'olive et des herbes de Provence. Oh là là, il est trop beau gosse. Une fois assaisonné, vous refermez. Et ensuite, en fait, on enveloppe la boîte de papillage. Et ensuite, ça aussi, grand classique, mais c'est très chiant à manger, un épi de maïs. Voilà, du coup, notre menu ce soir. Donc, on a nos brochettes, notre épi de maïs, notre camembert au barbecue. Évidemment, avec ça, on va prendre du bon pain à tremper dedans. On va se régaler. Enfin, j'espère. J'ai trop hâte de manger. Bon, ils ont pris un petit peu chaud, mais ça passe. Et vous voyez, il n'y a plus la feta, elle est tombée totale. Fais ton influenceuse là, allez. Allez hop. Attention. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Alors ça, c'est incroyable.
C'est chaud, mais c'est bon. Et je me rends compte qu'il n'y a pas d'outro à cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, que les recettes auront pu vous inspirer. N'oubliez pas, ne mettez pas de feta, mais du halloumi. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine.